Il tente dans Zara, tu vas faire ton bien. Dégage. Je vous annonce en même temps que la semaine prochaine, Wari. Je vous annonce en même temps que la semaine prochaine, à partir du mardi et mercredi, nous avons une retraite. Ça démarre une retraite. Nous avons eu des programmes. Ça, c'est un programme vendredi, samedi. Mais la semaine prochaine, nous avons une retraite. Une retraite spirituelle. À partir de mercredi. Jeudi. Le vendredi prochain, une veillée. Le samedi. Voilà, ça dit qu'on démarre mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Samedi, la retraite. Amen. Amen. Une retraite spirituelle où il y aura beaucoup d'enseignements parce que j'ai commencé à donner des enseignements sur certaines choses. Amen. Oui, amen. Amen. Mais ce soir, je vais parler de la puissance de Dieu. Qui veut recevoir la puissance de Dieu? Je ne vois pas trop de mains en l'air. La Bible déclare que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Avoir le Saint-Esprit et puis être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce qu'on m'a bien saisi? J'ai le Saint-Esprit et j'ai le baptême du Saint-Esprit. C'est deux choses. Jésus qui est notre modèle, lorsqu'il s'est fait baptiser par Jean le Baptiste, il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et après ça, il est entré dans le désert où il a fait 40 jours de jeûne. Et après ces 40 jours de jeûne, la Bible dit qu'il est revêtu de la puissance d'en haut pour démarrer son ministère. Vous savez, il y a, comme je disais, il y a avoir le Saint-Esprit et puis avoir la puissance de Dieu. C'est lors de la conversion. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur, le Seigneur, il y a une action qui se produit dans nos cœurs. Dès que le démon quitte le cœur, parce que le cœur ressent de toute décision. Ouais, si ce n'est pas habité par le Saint-Esprit, c'est habité par un démon. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Si ton corps n'est pas habité par le Saint-Esprit, c'est habité par un démon. Ne dis pas non, il n'y a pas un démon. Si, il y a un démon. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un démon. Quelqu'un qui est dans l'alcool, c'est un esprit d'ivrognerie qui l'arrive. Tu n'arrives plus à te maîtriser face à l'alcool. Tu n'arrives plus à te maîtriser face à la cigarette. Tu n'arrives plus à te maîtriser face au mensonge. Tu as oublié le mensonge. Tu es possédé. Et tu n'arrives plus à te maîtriser. Amen. Quand on n'a pas l'esprit de Dieu, c'est qu'on a un animé d'un esprit démoniaque. Et ça, on a dit que quelqu'un est possédé. Tu n'as plus de décision. Là où on ne doit pas manger, toi tu mens. Amen. Amen. Et lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, Dieu fait quelque chose dans notre cœur. Il dégage la présence des démons, des ténèbres. Et le Saint-Esprit vient habiter en nous. On dit amen. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Pour nous aider dans notre marche chrétienne. C'est ce que la Bible dit dans Romains, que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui est convaincu qu'il est enfant de Dieu? Alléluia.
La Bible déclare que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Moi, je suis convaincu de ma éternité. Je suis convaincu de mon salut. Je suis convaincu que je suis enfant de Dieu. Je suis convaincu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui conduit ça à moi. Il est dans cette conviction. Et quand il est en toi, il est dans la possibilité, cette capacité de regretter quand tu pêches. Quand tu commets un péché, le regret, le remords, c'est le Saint-Esprit qui produit ça. Nous sommes tous pécheurs. Mais lorsque tu as face d'un péché, quand tu finis, quand tu regrettes, c'est le Saint-Esprit qui dit ce qu'il vient de faire n'est pas bon. C'est là où on dit quelqu'un habité par l'Esprit. Mais quand tu fais, et puis tu te plais dedans, ça veut dire que tu es animé par un esprit du diable. Ou quelqu'un qui a un esprit de Dieu, il ne va pas commettre le péché, mais il va regretter le péché. Parce qu'il ne serait pas à l'aise. C'est ça que la Bible dit, n'attriste pas le Saint-Esprit. Lorsqu'il commet un péché, le Saint-Esprit est entristé en lui. On dit amen. Le Saint-Esprit est entristé en lui. Et directement, la personne devient le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, un lieu d'adoration, un lieu où Dieu vient constamment. Amen. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de jugement et de justice. Alors, quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il y a une manière. Amen. Cette personne la craint Dieu. Elle se loigne constamment du péché. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. À la conversion. Quand on est converti, la première action, il vient habiter en nous. Amen. Il vient juste habiter en nous. Alors, celui qui n'est pas habité par l'Esprit de Dieu, il est habité par l'Esprit du diable. Parce qu'on dit même la nature aura du vide, n'est-ce pas? Il n'y a pas un vide. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du diable. Il n'y a pas un vide. Il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas le Saint-Esprit, mais je ne suis pas possédé, tu mens. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es possédé. Tu as un démon en toi. Non, parce que la nature aurait du vide. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du diable. Amen. C'est pour ça que ceux qui font la démologie, je vais vous expliquer. Les gens, souvent, ils confondent l'esprit de la sorcellerie et l'esprit humain. J'entends souvent les gens prêcher, faire des livrants, esprit humain de la sorcellerie, c'est dangereux. Non, quand quelqu'un chasse un esprit humain, parce qu'un être humain est un esprit humain, il y a l'esprit humain de l'homme. Parce que l'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Donc quand vous voyez quelqu'un qui pense qu'il connaît la démologie et qui chasse un démon, parce que la plupart des gens, quand tu entends les gens chasser des démons, ils s'adressent à l'esprit humain. C'est dangereux. Parce que l'homme même a un esprit humain. L'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Mais regardez, c'est dans l'esprit humain de l'homme qu'est son sens de la volonté et la décision que veut loger le démon. Et c'est dans ton esprit humain qui vient loger le Saint-Esprit. Amen. 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 C'est ça que l'apôtre Paul dit, le bien je le sais, mais n'habite pas moi. Le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Amen. C'est ça que les gens disent qu'ils ont deux cœurs. L'autre a dit, il ne faut pas faire. Faut pas faire. Et puis il dit faut faire. Non. Puis c'est lui qui dit il m'a trop parlé jusqu'à la fin. S'il arrive à te dominer, ça veut dire que tu es possédé. Amen. C'est comme ça. S'il arrive à prendre le dessus, ça veut dire que tu es possédé. Voilà. Ben forcément, ils vont te parler. Jésus, l'esprit du diable est venu le tenter. Satan était tenté par, Jésus a été tenté par Satan. Mais Jésus a dominé la parole de Satan. On dit amen. Oui. Donc si Satan te parle et que tu n'arrives pas à prendre le dessus, ça veut dire que ce qui t'anime là n'est pas un esprit de Dieu. C'est un esprit du diable. Si tu arrives à obéir au démon, au démon,
quand tu es là, pour qu'un démon rentre dans la vie de quelqu'un, il y a une ouverture à partir du péché. À partir du péché, le démon peut entrer dans ta vie. Ça, c'est clair. Amen. C'est pour ça que celui qui est à Jésus-Christ doit constamment se sanctifier. Quand tu découvres qu'il y a des choses qui n'en ont pas Dieu dans ta vie, ce que tu dois faire, c'est de demander à Dieu de t'aider à te débarrasser de ça. Oui, parce qu'il est saint. Donc quand celui qui marche avec lui doit se sanctifier. Amen. Parce que Dieu ne bénit pas n'importe qui. C'est ce qu'on appelle l'esprit saint. On m'a bien saisi. Le Saint-Esprit. Quand il est dans ton cœur et tu es constamment dans les vilaines choses, il est attristé et puis il peut partir. Il peut même quitter ton corps. Oui, parce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il ne peut pas buter le corps de quelqu'un qui est constamment en train de commettre des erreurs. Constamment qui se plaît. Vous savez, il y a commettre le péché et puis à pratiquer le péché. Et non, amen. On commet le péché, d'accord. Ça m'a surpris, ouais, toi, je tombe, je trébuche. Mais il y a ce qu'on appelle pratiquer, c'est-à-dire on se plaît dedans. Ça nous dit rien. On le fait, on a la conscience. On a envie même de recommencer, sans rebond. C'est-à-dire que lui, là, il a habité par un esprit du diable. Il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu en toi, quand tu commets des erreurs, d'abord la première des choses, c'est le regret. Ton cœur, l'esprit a dit, c'est qui tu viens de dire? Ça n'en a pas Dieu. Il va te pousser à la repentance. On dit amen. Ce sont des quelqu'un l'esprit de Dieu. Amen. Et quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, le signe qui se dégage de cette personne, la personne aime les choses de Dieu. Oui, la personne est attirée par les choses de Dieu. C'est-à-dire que la personne aime beaucoup prier. La personne aime beaucoup la lecture de la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui n'est pas habité par l'esprit de Dieu, il va aimer les voix de nuit. C'est ce qui intéresse la personne. Mais c'est qui en toi là? C'est ça, c'est l'esprit du diable. Mais quand tu es animé par un esprit du diable, de Dieu, ça ne te dit absolument rien. Il y a des gens qui vont rentrer dans une ville. Ce qui va les intéresser, les boîtes de nuit vont chercher à chercher. C'est-à-dire que lui, il n'a pas animé par un esprit de Dieu. Et quand tu es animé par un esprit de Dieu, ce qui va te préoccuper, c'est les choses de Dieu. Voilà, c'est tout. Les choses de Dieu. On m'a bien saisi. La présence de Dieu en toi, tu seras toujours attiré vers les choses de Dieu. La lecture de la parole de Dieu. Aimer la prière, aimer les choses de Dieu. On n'a pas l'esprit de Dieu, on est tiré vers des conneries, des vilaines choses. Amen. Quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, qu'elle commence à lire la Bible, elle dort. C'est un signe pour dire que ce qui est en toi là, c'est l'esprit du diable, ça n'est pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui peuvent rester devant l'écran. Ils finissent matin de bonheur. Soit de bonheur. Ils vont tout finir. Mais quand il s'agit de prière, Seigneur Jésus, mais. Si là, mais ça ne sort pas. Il est parti. Okay. Mais puis regardez, matin de bonheur, soir de bonheur. Ce qu'on a dit, c'est bateau. Mais quand il commence la prière, comme c'est pas l'esprit de Dieu, il est attiré par les choses de Dieu. Et c'est ce qu'il dit aux gens, c'est un danger le fait même de ne pas prier avant de dormir. C'est dangereux. Vous criez, on m'a attaqué. Vous êtes des comédiens. Mais qui a dit, non? Tu n'as pas prié avant de dormir. Et puis ils ne vont pas t'attaquer. C'est bien, il faut qu'on t'attaque. Parce que l'âme du chrétien, c'est la prière.
Amen. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 10. L'âme avec laquelle nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc le chrétien, la force du chrétien, c'est la prière. Mais un chrétien qui ne prie pas, il est exposé à toutes sortes de dangers. Il y a des gens qui disent non, le prophète, c'est que je prie pour moi. Non. Toi-même, étant chrétien, tu as besoin de te connecter à Dieu. Il faut cette connexion. C'est pour cela qu'un chrétien doit prier. Amen. La preuve, quand Jésus est revenu du jardin de Gethsémané, il a même posé la question. Il dit, et vous, vous n'avez même pas prié une heure avec quoi? Pierre a dit, mais tu sais, j'étais un esprit avec toi. C'est dangereux. Il y a des gens qui disent prier en esprit. Non, non. Frère, tu peux ouvrir ta bouche pour prier. Je prie en esprit. Il y a des gens qui me touchent. Non, ils sont en prière. Ah non, ils ouvrent ta bouche, frère. Il faut laisser la fête. Tu n'es pas sorcier. Et quelle sorcellerie tu pries en esprit? Ouvre ta bouche et prie. Amen. Donc, un chrétien doit prier. Quand tu n'as rien fait, c'est au moins une heure du temps. Amen. C'est comme une batterie qui t'entend de charger. Et c'est ce qu'il y a l'habitude de dire aux gens. Il dit, si j'ai fini de faire un programme, si vous m'emmerdez, c'est dangereux pour vous. Parce que c'est comme une batterie. Jésus dit, une fois qu'elle est sortie de moi pour guérir. Alors, quand un homme de Dieu prie, il choque aussi sa vie. C'est ça que Dieu communique. Mais la gagner, c'est ce que touche les hommes. Mais qu'elle n'est pas encore. Voilà, c'est pas une batterie. Et quand il finit là, c'est pas autre chose. Le temps que tu mets devant Dieu, là, c'est tout. Si tu veux avoir la puissance, la force de Dieu, ça dépend du temps que tu mets dans sa présence. Moi, je peux prier toute une nuit, je peux commencer à partir de minuit et puis finir à 6 heures en genoux. Je suis en genoux en train de prier. Mais je prie beaucoup en langue. Je peux commencer de minuit et puis finir jusqu'à 6 heures du matin. Amen. 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 Le seul problème que tu as, oui, tu as le problème quand tu ne sais pas ce qu'il y a en toi. Il y a mieux comme lui. Et tu négliges beaucoup de choses. Les oui, les oui. Les choses spirituelles. Et que vous comme amen. Si vous négligez la spiritualité, vous abusez vous-même. Amen. Parce que c'est ça qui vous fait. L'homme est la foi physique, mais la foi spirituelle. Si vous développez le côté spirituel, vous allez atteindre. Mais vous ne favorisez pas ça. Ça ne vous dit rien. C'est dangereux. C'est pour ça que dans la semaine, un chrétien doit avoir au moins 2 jours de jeûne. Amen. Amen. Ça fait qu'on mange trop là, c'est pas bon. Il y a des gens même pour faire jeûne, il faut attendre 2 ans. À mon corps, c'est dit qu'ils sont prêts pour. Qui a un jour de jeûne dans la semaine? Il y a même un jour de jeûne. Ah ben c'est dit quoi? Dis-moi un peu. Non, non, mais c'est Ico. Alors. Ah, Casélier. Non, mais c'est il est loco. On ne gêne pas. Moi, j'ai fait deux. C'est pas les petits, je gêne. La sensation fait bizarre. C'est Ico, c'est ça, on appelle un régime. Il ne fait pas de régime, hein. Ou on ne mange pas à 15h. Il ne fait pas de jeûne. Jeûne, c'est Ico. Et prière. Je vous dis un secret. Dieu, il faut toujours le mettre à la première place. C'est comme ça il est. Quand tu penses que toi, tu t'organises, avoir un jour dans la semaine pour lui, il célébrera constamment à toi. Il dit j'honore celui qui. Et quand on jeûne, on doit prier. Sinon, ça devient grève de faim. Mais on dit,
train de prier. Fais-le. Amen. Il y a beaucoup de choses, on va vous enseigner à la retraite. À la retraite, je suis en train de m'organiser, je suis en train de préparer beaucoup de choses. Je vous enseigne les sept formes de prière. Comment démarrer une prière? Jusqu'à la fin. Je vous enseigne ça. Je vous enseigne aussi, comme j'abordais le sujet, lundi. Quel est le démon qu'on attaque lundi? Quel est le démon qu'on attaque mardi? Quel est le démon qu'on attaque? Je voulais parler aujourd'hui des quatre esprits, l'esprit des quatre vents, mais ça ne suffit pas parce que quand... Quand tu abordes le sujet, il faut bien décortiquer le sujet. Oui, il y a un mercredi prochain. Mercredi, il aura un enseignement. Jeudi, il aura un enseignement. Vendredi à la veille, il aura un enseignement. Samedi, il aura un enseignement. Donc, vous serez tellement bénis. Vous allez comprendre que la semaine prochaine, je vais vous enseigner. Quand vous rentrez dans une ville, Jean t'a envoyé dans une ville. Dans une ville, il y a un démon de la ville. Il y a un démon du quartier. La Bible dit que là où tu fouleras les pieds, Dieu te donne le territoire en héritage. Que le démon doit reconnaître ton autorité. Et je vous disais comme ça que la terre, là, il y a les esprits, il y a les anges de la terre. Tout ça, nos parents connaissent le pouvoir de la libération. Quand tu iras dans une ville, il faut parler aux esprits. Surtout à l'ange. Comment la terre. Vous dites, moi, Crasso, je suis venu à Dibo. Tout doit marcher pour moi. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Qu'est-ce que tu as dit? Et qu'est-ce que tu as fait pour que la vie t'apporte le bonheur? Tu n'as rien dit. Chacun a son territoire. Il ne dit pas que Jésus est là, mais qu'est-ce que tu as fait? Amen. Pour que l'humanité soit sauvée, Dieu a posé un acte. Il avait quoi? Il a donné son fils en sacrifice. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui on est sauvé. Il y a un acte posé. Qu'est-ce que tu as fait? Quand vous rentrez dans une ville, en tant que chrétien, quand vous rentrez dans une ville, parlez à la terre. Parlez à la terre. Je suis venu en mission à Divo. J'entends que les esprits de Divo, tous les démons, l'échecs, tous ces démons bizarres, je les lis au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que cette terre de Divo apporte la bénédiction. Amen. Amen. C'est ça. Et la terre si. Et lui, il verse ça. Tout ce que tu as fait à Divo, maintenant. Vous savez que tout commence par le début, le commencement. On dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce qu'il dit aux gens. Comment tu as démarré ton activité? Comment tu as démarré? Ça a échoué. Non, ça a échoué. Mais ça dépend de comment tu as commencé. Mais c'est tout. Amen. Quand je suis venu dans la vie, il y a eu des problèmes. Le bonheur et la grâce doivent t'accompagner tous les jours. Amen. Et quand on rentre dans un quartier, quand tu vas habiter un quartier, il y a un démon de quartier. Moi, je suis dans mon quartier à Divo. J'ai parlé. Je suis dans ce quartier. Je vous ordonne, vous, les démons. Je suis prince. Amen. Du roi des rois. Amen. Dans ce quartier, vous devez reconnaître mon autorité. Il est versé, lui. S'il y a une épidémie, ça ne doit pas venir chez moi. Amen. Faut aller ailleurs. Ce qui arrive aux gens dans le quartier ne doit pas m'arriver. Amen. Qu'est-ce que tu as fait? Amen. Ah, mais c'est ça le problème. Mais là, oui. Non, je ne suis pas une maison. Quand tu prends la maison, qu'est-ce que tu as fait dans cette maison? Oui, parce que celui qui a construit la maison, ce n'est pas quel esprit l'a fait. Et vous qui m'y allez obéir. Nous, nos parents, ils attendent des choses. Amen. Donc, en tant que chrétien, quand tu prends une maison, il faut la consacrer. Amen. Il faut la consacrer. C'est vrai, quoi? Il faut parler aux esprits. Tu les déloges. Et ça n'est pas en versant de lui. Quand vous regardez un peu la présence en Égypte. Quand l'ange, la destruction, l'ange de la mort devait arriver, Dieu a demandé à Moïse de prendre le sang et de mettre ça sur les portes, les linteaux des portes. Tout ce qui avait cette marque-là, toute fois que l'ange venait, passait.
Amen. Qu'est-ce qui a été fait? Amen. Si ta maison, tu n'as pas maison, pour ne pas que la mort arrive, na fait pour ne pas que les choses bizarres arrivent. Na oui, c'est ça. Il faut que les choses soient faites sur toi. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. 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 Même dans ta plantation. Mais dans ce mur, dans ce mur. Partout, alléluia. Voilà. Donc c'est les enseignements comme ça que je vais donner la semaine prochaine. Je prends mon temps vraiment la semaine prochaine pour enseigner beaucoup de choses. Pour que vous soyez puissants. Amen. Amen. Parce que la Bible dit dans le livre des Psaumes, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il faut que tu sois puissant. Amen. Il faut qu'on puisse te craindre. Amen. Parce que celui qui est en toi est fort et puissant. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous avez tout pouvoir, Jésus-Christ. Amen. Vous devez dominer partout. Dieu vous a créé, Dieu vous a appelé. Que vous puissiez dominer. Ce n'est pas un qui doit vous dominer. C'est vous qui devez dominer. Amen. C'est ça qu'il a dit à Israël, je ferai de toi la tête et non la queue. C'est vous qui devez dominer. Mais vous savez, quand vous lisez la Bible, lui qu'on a enseigné comment faire pour dominer. C'est nous qui devons vous enseigner comment faire pour dominer. Il y a des choses que vous devez faire pour dominer. Oui, amen. 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 Pour cette semaine, nous allons aborder le sujet et vous serez bénis. Amen. Donc je reviens sur le fait du Saint-Esprit. Quand on a à la conversion, on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Et quand le Saint-Esprit est à toi, dès que tu as fait quelque chose à quelqu'un, il n'est plus à l'aise chez toi à la maison. Il y a des gens qui s'en foutent, ils t'ont fait quelque chose. Non, ils t'ont fait quelque chose. Non, c'est rien. Ça veut dire que le Saint-Esprit t'a jamais habité. Il t'a su. Quand il y a le Saint-Esprit en toi, tu as fait quelque chose à quelqu'un, tu n'es plus à l'aise. Non, tu n'es pas à l'aise. Tu as fait les choses, tu as envie de parler, tu as envie de te réconcilier. On dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu n'es pas tiré vers le fétichisme. Non. Le maraboutin, ça ne te dit rien. C'est les choses de Dieu qui t'intéressent. Là, on dit que quelqu'un est animé par l'Esprit. Amen. 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 Il y a des gens quand ils voient des bières glacées, ça. Avocat, on bien les mêmes, essayez. Bien glacé. Bien les kawoto. Bien glacé, droba. Droba. Un autre, hein, c'est où? Ça fait quoi? Clin, clin, clin. Il y a bien même. Quand ils descendent dans une ville, on pleut. Regarde, s'il n'y a pas de bois de nuit ici. Oh, il y a un petit, là. Petit, là, il y a un autre. Regarde, c'est qui en toi? Et bien, amis, comment? C'est bois de nuit. C'est qui en toi? C'est pas la présence de Dieu. Pendant que le peuple d'Israël, Moïse sortait avec Israël, regardez, il y avait l'Égypte en eux. Quand il y a eu des difficultés, il a dit à Moïse, pardonnez Moïse, on va retourner en Égypte. On peut plus aller en Égypte. Parce que l'Égypte est en eux. Oui, l'Égypte est en eux. Quand on a l'Esprit de Dieu, vraiment, on est loin de tout ce qui est péché, on s'éloigne au maximum de ça. Même si on a des péchés en nous, on prie pour que Dieu nous débarrasse de ces liens. On dit amen. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, il a le Saint-Esprit. Et puis, il remplit le Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Amen. On a le Saint-Esprit, d'accord? Le Saint-Esprit vient nous aider dans notre marche. Mais quand on a rempli du Saint-Esprit, ça nous donne cette capacité de manifester la puissance de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est pour manifester la puissance de Dieu. On dit amen. Amen. C'est comme un verre d'eau. Il y a de l'eau dans le verre. Et puis, donne-moi un peu d'eau, je fais une démonstration. Amen. C'est ce qu'il te faut. Mais c'est là, tu as le Saint-Esprit. Mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Mais on y est. Tu as le Saint-Esprit. Mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Mais on y est. Il te faut être rempli du Saint-Esprit. Donnez-moi la Bible. Prenez Actes des Apôtres. Le chapitre 2. Les sommets.
Oh, vous savez.